Et voilà mes petits loups, c'est parti pour les trois petits cochons. C'est l'histoire de trois petits cochons qui s'appellent Nif Nif, Nouf Nouf et Naf Naf. Ils veulent se construire une maison pour se protéger du loup. Voilà Nif Nif, il fabrique sa maison avec de la paille. Comme il est un peu maladroit, il choisit la paille parce que c'est plus facile. Il attache des bottes de paille avec des cordes et des ficelles en faisant des nœuds. Nif Nif n'a pas peur du loup, lui. Voilà Nouf Nouf qui construit sa maison avec du bois. Il frappe avec son marteau pour enfoncer les clous dans les planches. Comme il n'est pas très adroit, il y a beaucoup de clous qui sont tordus. C'est dur de scier des planches, mais il est content de travailler parce qu'elle sera belle sa maison. Nouf Nouf n'a pas peur du loup, lui non plus. Et voilà la maison de Naf Naf. Il a préféré les pierres. C'est plus difficile, mais beaucoup plus solide. Il a beaucoup d'outils et une brouette pour transporter les pierres. Naf Naf est très sérieux dans son travail. Il met beaucoup de ciment pour qu'elle tienne bien ses pierres. Le loup ne pourra pas casser sa maison parce qu'elle sera très solide. Il a installé aussi une porte épaisse avec une serrure qui ferme à clé. Voilà le loup, il est énorme le loup. Il hurle en montrant ses crocs. Il sort ses griffes pour faire peur aux trois petits cochons. Comme ils sont effrayés, ils courent se cacher dans leur maison. Le loup souffle très fort pour faire tomber la maison en paille. Nif Nif tombe derrière par terre. Sa maison s'écroule parce qu'elle n'est pas solide. Du coup, il se sauve en courant jusque chez son frère Nouf Nouf. Nif Nif et Nouf Nouf sont dans la maison de bois. Voilà le loup qui arrive. Le loup souffle très fort pour faire tomber la maison de bois. La maison de bois, elle s'écroule elle aussi. Nif Nif et Nouf Nouf se sauvent en courant jusque chez leur frère Naf Naf. Ils se cachent dans la maison de pierre, les trois petits cochons. Quand il arrive, le loup, ils ont bien fermé la porte à clé pour qu'il ne rentre pas. Le loup, il souffle très fort pour faire tomber la maison de pierre, comme les autres maisons. Mais il y a une différence. La maison en pierre, elle ne s'écroule pas parce qu'elle est très solide. Le loup secoue la porte en criant « Ouvrez-moi !» Mais la porte est très épaisse et elle est fermée à clé. Il dit qu'il va passer par la cheminée. Il trouve une échelle pour grimper sur le toit. Les cochons l'entendent marcher sur les tuiles pour aller jusqu'à la cheminée. Alors, ils allument un bon feu dans cette cheminée. Le loup entre dans la cheminée pour se glisser à l'intérieur. Mais il se grille la queue en tombant sur le feu. Alors il hurle « Aïe, 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 ça brûle !» Et il se sauve à toute vitesse avec la queue en feu. Voilà nos trois petits cochons qui dansent et qui chantent. Ils sont contents parce qu'ils ont fait fuir le loup. Nif Nif et Nouf Nouf ne répareront pas leur ancienne maison. Ils décident de se construire une maison différente. Elle sera en pierre avec une porte épaisse pour être solide comme celle de leur frère Naf Naf.